One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever do. Le nouveau Axe. Upgraded. Ah, qu'est-ce que je chante bien quand même. Je devrais l'enregistrer de temps en temps. Bref, bienvenue donc sur Gaming Live, toujours la chaîne Powerplay, pour une tournée des bars exceptionnelle, une tournée des bars bien tendue. Alors, je vous donne tout de suite le lien voilà, qui apparaît en haut pour commencer à télécharger Tetris Online Poland. Je vous rappelle le principe de la tournée des bars, c'est simple, mon Dieu. Le but, c'est de se faire bourrer le fion par des nippons. Tetris Online, le jeu de l'amour, le jeu de la guerre, le jeu qui va vous réconcilier avec vos meilleurs traitements anti-hémorroïdes. Donc vous allez télécharger ce jeu, Tetris Online, Poland, download.php.bit.bar. Je m'en fous. Et donc, vous vous plongez dans le multiplayer. Voilà, allez, vous avez tout ça sous vos yeux ébahis. Et on va dans Général, parce que Général, il y a nos restrictions, vous voyez, Expert. Bon, en fait, le jeu va aller à 20G, alors c'est même pas la peine d'essayer. Donc on va dans le Général, c'est déjà pas mal. Et le but est de trouver une room qui nous laisse s'immiscer dedans, si vous voulez, pour la bourre. Alors, ce n'est pas comme avec quelques demoiselles qui vendent leur charme sur des sites des pays de l'Est. Ici, vous n'aurez aucun denier à débourser. Pas besoin d'aller passer l'aspirateur dans les Sofitel pour finir à Rikers. Donc, on va regarder si on trouve une room sympathique avec des gens enthousiastes qui vont se faire un plaisir de s'occuper de notre transit pour notre plus grand bien.
Alors, je vois quelques rooms intéressantes. Alors là, il y a une room où il y a un 30 et un vent. Alors, je sais pas, il y a une espèce de boat, ça a l'air dégueulasse. Je ne sais pas ce qui se passe. Là, on va pas y aller. Là, ça m'a l'air pas mal, celle-ci. On va tenter ça pour un petit échauffement. Je pense que ça devrait être pas mal. Là, cette room, dont vous lisez tous le nom, m'a l'air magnifique. Avec Ranka, avec Kupoko, avec... Je ne sais pas. Alors, la première chose qu'on fait, Erino Sekai... on va aller voir le niveau de jeu. Alors, c'est souvent là où le bas blesse. Croyez-moi, c'est pas du dim. On regarde un petit peu ce qui se passe. Ah, on a eu pire hein, comme graphique. Parce que, en fait, si vous voulez, le niveau de jeu dans Tetris Online, on s'en fout. Les mecs, ils peuvent dormir et faire des points. Le level ne représente absolument rien. Ce qu'il faut aller voir, c'est le graphique. Ça, c'est important. Vous savez que j'aime les chiffres. J'aime les graphiques. J'aime les belles barres dans les graphiques. Bon, là, je suis un petit peu emmerdé parce que vous voyez, c'est une représentation à chier. Mais donc, on a un mec qui, donc, qui utilise plutôt cette stratégie. Vous voyez, lui, c'est plutôt cette stratégie qu'il utilise. Bourrer les rênes. Bourrer les rênes, c'est quand même quelque chose qui se pratique pas mal dans Tetris Online. Faut faire attention. Parce qu'il y a la péta, bon, encore hier, j'ai reçu un coup de fil de Brigitte Bardot. Donc, il faut quand même faire attention, mais c'est plutôt un mec qui joue comme ça. Donc, on verra bien ce que ça donne. Donc là, il est face à Ranka. Oh là, Ranka, il en a une petite. Vous voyez, Ranka, bon. Oh là là, c'est quoi cette speed et cet APM de merde? C'est pas possible, c'est Témé. Mais c'est pas possible là, parce que là je ne vois pas notre explication. Bref, il va quand même nous bourrer, hein, vous en faites pas, il va nous bourrer. Alors là, on a, comment il s'appelle lui, Q2, je sais pas, bon c'est pas grave, on s'en fout, tête de cul. Alors, bon, c'est pareil, c'est, bon, on a vu pire hein, comme graphique, donc c'est une salle qui est prenable, c'est pas pour autant qu'on va pas se faire complètement retourner. De quoi vous avez fait une run la festinière pour Gaming Live? Ah mais je ne savais pas, j'ai pas vu. Où elle est? Où elle est? Elle est créée là? Est-ce qu'elle est créée, Skull? Attends, il faut commencer par un petit échauffement. Donc je pense que pour faire venir les gens, il faut qu'ils comprennent un petit peu la douleur. Voilà, donc là je vais construire, c'est parti. Alors attendez, je ne sais plus où est la barre, je ne sais plus rien, je sais plus jouer à jeu. Voilà, ça commence bien. Je fous tout à côté, je vais un petit peu plus sensible. Alors attends. Donc le but, c'est d'essayer de ne pas se faire bourrer tout de suite. Et vous voyez, ça part très bien. Puisque j'ai rien touché, je m'en prends déjà plein le cul. Eh, saleté de jeu, ça va, oui, laisse-moi arriver. Je suis froid, je suis français. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Attends, attends. Je développe mon jeu. Je suis en train de le travailler, là, vous allez voir. Ça va faire mal. Aim. Aim. Là, tu le sens, mon gros reine? Moi, je suis un mec du renne, hein. J'aime les animaux. On me dit d'ailleurs que je les aime trop. Oh putain, c'est quoi ce bordel? Ah, le Miss Drop! Ah, 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 c'est une Miss France dégueulasse! Ah, putain de merde, attends. Ok, donnez-moi des pièces, donnez-moi des pièces, ça va bien se passer. Ça, je sais pas quoi en foutre. Bon, on va y mettre là, on s'en fout. Qu'est-ce que c'est ça? Tiens, c'est moche. Oh là, c'est très moche. Oh là là, oh là là, ouf. Oh la vilaine. Oh la vilaine. La gueuse. Attendez. Oh là là, c'est pas possible, je fous tout à côté. Putain, j'en fous partout, quoi. J'ai le zizi qui n'est pas du tout en face de la braguette. Alors attends. Tac, 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 tac. Allez, la barre, la barre, la barre, la barre. Attends, je peux faire ça. Chut, tais-toi. Tais-toi. J'envoie du jeu. Ne me déconcentre pas. Je suis au maximum de ma connerie. Laisse-moi faire. Tiens, je fais de la musique avec le jeu. On dirait du Daft Punk. Alors attends. Tac, tac. Ah putain, je la fous celle-là. Pardon. Putain, cette magnifique musique, hein. Quand je pense au talc qu'il a dû falloir aux mecs qui ont interprété ça. Ah, j'en reste sur le cul. Excusez-moi. Ah, je fais des mouvements qui n'existent pas, le jeu fait des bruits bizarres.
Il dit, ce moment je le connais pas, il est trop compliqué pour moi et je n'arrive pas à l'interpréter. Ah, ce jeu. Ah, y a des bruitages, on dirait du Kaamelott, quoi. Allez. Tu la sens, ma grosse construction? Oh là là, je pose tout à côté. Oh là là, c'est le drame. Appelez le docteur Carter. Je vais me faire remplir. Docteur Carter. Ah, j'ai plus de pièces. Faut que j'aille à Fort Boyard, j'ai plus de pièces. Appelez Passepartout. Ah, ta gueule. Donnez-moi les pièces, donnez-moi les pièces. Pas quoi en faire. Je joue dans les limites du jeu. Ah! Putain, j'étais trop chaud. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Deuxième, sur une première partie, c'est une erreur. Je reste dans cette room. Parce que ça va pas durer. Comme la Société Générale, ça. Allez, allez, allez. Ah, je joue en rythme. On dirait complètement un titre des Daft Punk. Hein. Ah, c'est bruitage. Ah, il devait être deux. Hein. Il devait être deux avec une sacrée chiasse. Hein. Deux enfermés dans un chalet avec des flageolets. Ça s'entend tout de suite. Vous sentez pas l'acidité qui remonte? Non. Ici. Allez, tac, tac. Je travaille au corps, là. Je suis en train de le faire attendre pour insérer ma grosse barre et je travaille. Hop, hop, hop. Tu l'as senti, mon reine? J'en ai rien à foutre. Comme si j'avais pissé dans un violon, tiens. Ce triple. Ah, c'est pas Brigitte Lay qui en a fait des comme ça en son temps. Hein. Je prépare le T-spin. Alors, mon secret des T-spin, c'est que je ne sais pas les faire. Oh là là, T-spin. Oh là là. Faites un replay. Le highlight Twitch, vite. Ah merde, on est sur Gaming Live. Pardon. Ah, ce T-spin. Bah, faut que j'arrête, je bande. Alors, attends. Celle-là, je m'en fous. Je la garde pour plus tard. Toi, t'es moche. Viens ici. Les wall kicks dans ce jeu, je les connais pas. C'est de la merde, y'en a pas. Ça s'insère comme de la merde. Ah, merde, j'en fais quoi de cette pièce? Putain de bordel. Filez-moi les pièces. Ah, ça va, ça va, ça va. Laissez-moi construire. Laissez-moi jouer. Laissez-moi imposer mon style. Ah, tu l'as senti, mon gros Tetris? Je vais me faire tellement remplir. Un petit reine des familles. Bon, le reine ensemble. C'est tellement bon. Allez, je me dépêche, je me dépêche. Voilà, je fais que ça, me dépêcher. Ah, voilà. Voilà. Bien, nous pouvons arrêter ce stream ici. C'était une partie magnifique. J'ai tout donné. Je pense que j'étais en pleine forme. Donc là, je ne lance pas, bien sûr, la partie. Ça emmerde tout le monde et je m'en fous. Parce que je vous emmerde. Voilà, c'est tout. Et je me casse. Je sélecte une map, comme un gros canard. Ah non, je peux pas. Bon, je suis obligé de starter. Voilà, j'ai une étoile. Comme l'équipe de France de foutre. Ça, c'est fait. Merde, c'est où le bouton? Rendez-moi les boutons. Ah, j'ai eu à l'usure, hein, le mec. J'ai travaillé au corps.
Putain, je l'ai spammé de messages, quoi. Attends. Ah, mais j'avais pas vu, donc du coup, il y a Tessal dans Tensal Dream qui nous a rejoint. Salut à toi. Qui c'est qu'il y a d'autre? Ah, tu es le seul ou ils sont les autres? Ils sont en train de se toucher où, là? Ah, ils se font des rooms, là, aussi, Les mecs, ils se cachent, ils ont peur. Il y a trop de skills, ici. Allez, je suis en train de préparer du beau jeu. Ça va tellement faire mal quand je vais tout sortir, quand je vais tout déballer. Ouais, 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 il y en a qui est en train de s'énerver. Je vais te montrer ce que c'est. Le beau jeu. Oh là là, je peux pas petit spin. Oh là là, c'est beau ça. Ah non, c'est raté. C'est le mini petit spin. C'est le petit spin du port. Un petit spin polonais, ça. Alors, il n'y a pas de Black Soldier. Après, c'est des retenues sur salaire. Ce gaming live. Oh merde, je peux la foutre, ça. Putain, fais chier. Envoyez-moi des bonnes pièces. Ça va, je me hurry up, je me hurry up. Je suis en train de travailler du beau jeu. Ah! Le miss drop! Ah, c'est la catastrophe! C'est la catastrophe! Ah, préparez le bain, préparez le bain! Ah! Je l'ai encore bourré! Je l'ai encore bourré! J'en ai, comme Jean-Claude, j'en ai absolument rien à faire. Qu'est-ce qui se passe? Ils t'attendent surtout, mais ils m'attendent où? Ah bon, je me... Ah, mais je suis... Bon, attendez, là. Le problème, c'est qu'il faudrait que... On peut pas sortir, là, une fois qu'on gagne. Ah, attendez, je relance. Je relance, j'essaye de perdre et j'arrive. Ah, c'est quand même un moment, dans la tournée des barres, je suis obligé de perdre maintenant. Trop de skill. Pas possible, là. On est tombé quoi, sur une équipe cotonne ou quoi? Ah, attendez, les mecs, je vous rejoins, dites-moi où vous êtes. Je fais du point et j'arrive. Ah, je suis en train de les travailler là encore. Quand je reste un petit peu de marge là, parce que bon, ils sont pas très forts, alors je suis obligé de les laisser un petit peu construire, vous voyez. Ah, j'ai pas tardé à vider mon jeu quoi. C'est important de vider son joueur, c'est comme ses couilles. Ah, je prépare 10 spins, je m'en fous. Je... Ah, attends. Non. Je...
Ah, non plus dans le cul. Ah, pas de T-spin. Ah. Bon, j'y arrive pas. C'est pas grave. La merde. C'est le T-spin invisible, ça marche aussi. Je joue complet. Ah, le bourrage. Bon. C'est pas grave. Il fallait que je perde. Il fallait que je perde pour rejoindre les gens, ça tombe très bien. Alors où sont-ils? On me dit la festinière, elle est où? Elle est où? J'en vois pas moi. Vous l'avez écrit en japonais ou quoi, festinière? Ah, festinière. Putain, mais c'est plein les mecs! Alors voilà! Mais c'est intelligent, si vous êtes tous dans la même onde, bande d'abrutis, comment je viens moi? Comment je viens? Alors franchement. Putain. Non mais honnêtement les mecs. Voilà, alors là, vous créez des rooms. C'est plein. Qu'est-ce que vous voulez que je vienne foutre dans votre room si elle est pleine? J'en ai rien à foutre, moi. C'est pas possible, ça. Non, mais voilà, un travail de merde. C'est qui a fait ça? C'est Skull. Je parie que c'est Skull. C'est Skull. Voyez, le mec. Putain, il laisse pas des places pour les amis. Vous êtes sur Gaming Live, s'il vous plaît. Moi, j'ai mon badge Gaming Live. Je dois rentrer dans cette room. Ah, mais les mecs, ils se planquent avec leur niveau, là. Ils veulent pas affronter les vrais. Ah, il y a une place de libre. Ah, merci. Il y a quelqu'un qui s'est sacrifié. Merci. Respect à toi. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, des couleurs dégueulasses. La festinière, c'est marron. C'est pas noir. Alors là, bien sûr, monsieur Spaluche. Skull crée la room. Donc, en fait, déjà, on va se prendre du lag. Hein. C'est-à-dire que ça va être infâme. Je suis sûr que monsieur s'attribue toutes les bonnes pièces. Il a cheaté la distribution. Alors, qui avons-nous? Bon, Skull, c'est même pas la peine de montrer le graphe, hein, je crois que tout le monde s'en rend. Alors, Akai est pas mauvais. Akai, normalement, est assez fort. Ça, je ne connais pas. Voilà, il a... Alors, lui, il fait des formes dans son graphique, hein, c'est... On dirait presque une botte. Ah, c'est la botte du prochain Zelda, non? C'est... On reconnaît, je veux dire, vous voyez, l'esthétisme, le vert, ça doit être Hyrule, ici. C'est la plaine d'Hyrule. Et Galandra. Eh bien écoute, salut à toi. Ah, là c'est marrant, on dirait une... comment dire qu'on dirait... Une testicule. Ah, c'est difficile. Un testicule, pardon. Excusez-moi. Puisque je parle même plus la France. Si je ne parle pas la France, ça va pas arriver. En même temps, hein, personne ne remarque. Bon, je suis obligé... Ah, merde! J'allais dire, je suis obligé d'attendre en plus que c'est monsieur... direct le mise drop. Ça va mal se passer. Alors, attendez, où est le bouton, là? Putain, j'ai du mal à me relancer, là. Allez, la machine à Tetris, c'est parti! Nous sommes... on sent que c'est la festinière, là, hein. Cette salle complètement cheatée. Oh là là, je vais me faire remplir. Oh, le mise drop. Alors celui-là, il va me coûter cher. Allez, je résiste. J'ai eu un départ un petit peu à la pisse, mais ça va aller mieux. Allez. En même temps, c'est plus du tout le concept, là. C'est une salle franco-française. Vous me foutez mon magnifique concept de la tournée des barres dans le fion. C'est pas possible. En fait, que le but, c'est de se faire retourner par des japs, quand même. Là, en termes de jap, bon... Éventuellement, je peux me déguiser en Kayane, mais ça va pas le faire. Ah, on a pas le droit de dire ça, Oh là, putain, merde. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ça va.
Regarde, je te prépare un magnifique jeu, tu vas rien comprendre. Ah ! Allez là, si on me laisse pas jouer aussi ! Et comme par hasard, qui c'est qui me met KO ? Je parie que c'est Skull ! Non, c'est pas lui, c'est Kenichna. Putain ! Ah non mais là, là, c'est ça, les mecs, ils créent un room, et après ils vont me dire qu'ils trichent pas. Attendez que je sois chaud. Putain, ce 30 là, ce 30 LPM... Alors... Le taux de dilatation est violent. Comment ça, le retournant? S'il vous plaît, un petit peu de respect pour mon pourtour anal. Il est distendu pas plus que la moyenne. Encore hier, je suis parvenu tout à fait à m'asseoir sur une poubelle sans toucher les bords. Un anus normal. Bien. Alors, je vous rappelle que, bien sûr, pendant la tournée des bars, je bouffe. Je prends donc de la drogue, une pâte de fruits Favorina. Ouais. Ah bah elles sont périmées, tiens. Ah bah non. Ça va. Parce que je me disais, elles ont un goût assez bien. Ah merde. Pas le temps de bouffer, quoi. Allez, attention. Ouais, j'ai fini troisième. C'est vrai que c'était l'échauffement. Donc de toute façon, c'est Skull qui a créé cette room. Et elle est bourrée de cheat. Oh là là là, c'est quoi ça? Z-Game Company, quoi. Alors, attends. Hop. Je prépare du jeu. Vous en faites pas. Ouais, ça va, je t'attendais. Vas-y, viens. Ah, ça envoie pas. Calme, là, s'il vous plaît. Donnez-moi les pièces. Putain, j'ai tellement fait en remplir là. Oula. Ah, c'est quoi ce merdier? Oh putain, je fais de la merde. Ta gueule, Archimédia. C'est pas le bon message. Ah putain. Ah, ça a plu là. Ah, là. Ça a été la débandade. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu, je me suis fait voler les pièces. Hein. C'est parti. C'est caractéristique, j'étais en train de bien jouer et tout, je résiste. Ah, c'est Akai. C'est Akai qui m'a foutu en l'air. C'est Akai au pruneau. On va occuper, moi. On va l'occuper. Voilà, puisque c'est comme ça, pub, tiens. On apprendra.
Ah merde, j'ai oublié d'envoyer la pub. Je ne sais pas si j'envoie la pub. Bon, je sais pas si la pub est finie, rien à foutre. Bon, ça n'a aucun intérêt de jouer entre français, ce n'est pas le principe de la tournée des bars. Hein ? C'est pas drôle, c'est pas drôle. Alors attendez, on va essayer de trouver une room où il y a du niveau, parce que sinon, on se fait chier une tournée des bars sans défaite. Hein. C'est nul. Putain, il y a une room chez la barre. Foutez la gueule, les mecs. Putain, franchement. S'il vous plaît, quand même. Non, alors on se regroupe et on va bourrer une salle japonaise. Allez, moi je vais ici. Non, là, vous êtes complètement en train de casser un concept qui fait des stuns sur Gaming Live. Donc, s'il vous plaît, un peu de discipline, revenons aux bases. Alors, si vous voulez jouer de manière complètement anonyme sur Tetris Online, vous le faites. Mais le but est d'aller trouver une salle. Bon, on acceptera des propres aussi. Mais où il y a quand même un minimum de niveau. Là, bien sûr, si c'est pour jouer entre nous. Salut à toi, Archimédia. Comment vas-tu? Je t'envoie un petit smiley. Hello. Parce que je suis bien discipliné, je suis gentil. Parce que là, bien sûr, je ne peux pas sortir mes sponsors. Alors, je rappelle que je dois absolument placer des sponsors dans les streams La Tournée des Bars. Je rappelle que La Tournée des Bars est un programme grand public avec un logo pas du tout grossier, aucune référence, tout est propre. Et j'ai des placements produits à faire. Donc il n'est pas possible dans ces conditions, dans une room française, entourée de Français, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée. Français, Française, la France va mal. Donc non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, on va essayer de voir le niveau, et puis si ça ne va pas, on changera. Allez, alors si je fais tout... Oh là là, c'est la catastrophe. C'est la pause. C'est difficile. Ah, faut pas que je fasse de pause, hein. Gaming Live, faut que je joue jour et nuit. Alors, attends. Oh là là, ce jeu dégueulasse. Putain, la vache. Comment tu veux réussir à faire quelque chose avec un jeu aussi sale? Ah, les mecs, s'ils arrivent pas à me battre, c'est qu'ils sont mauvais, hein. Parce que, oh, le démarrage en trombe. Eh, tac, 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 tac. Ça, ici, là, là. Alors, je suis en train de penser du jeu, là. Ah, ça va. Tu me fais pas peur. Ah, tu l'as senti, mon gros reine? Franchement. Ah, les mecs, ils ont cru qu'ils allaient pouvoir me sortir comme ça, la ronde, avec une petite technique de merde. Je vous en foutrais, moi. Oh là là, la mise en... En plus, je me mets de l'handicap, c'est pour ça que je suis sur la chaîne Powerplay. Je trouve le jeu trop facile, donc je fais volontairement déplacement de pièces complètement foireuses, parce que c'est pensé. Ouais, je sors des gros rennes. Encore un magnifique mise en drop. Cette classe. Oh, le dispin, le mini dispin. Putain, le mini dispin, quoi. Le jeu qui vous fait un bras d'honneur. En fait, un dispin, il vous dit, oh, elle est trop petite. Même problème avec mes ex. Elle est trop petite.
Ah, attends. Ah, ce jeu, je les impressionne. Ils ont jamais vu un mec faire autant de ratés et réussir à survivre. Ah putain, je me la fous, celle-là. Non. Ah non. La merde. Tiens. Je m'en fous. Je m'en fiche. Ça. Ah ah non, laisse-moi jouer, laisse-moi jouer, laisse-moi jouer. Laisse-moi jouer. Vous êtes en train de passer sur Gaming Live, les mecs. Vous êtes priés de me laisser jouer, sinon je coupe tout. Et adieu la postérité pour vous. Ah, les mecs, là, on les fait connaître devant la France entière. Et ils ont aucun respect. Ils s'en foutent. Ils disent non, non. Ah, ce jeu magnifique. Et voilà, voilà, ça c'est une marque de respect. Merci Popouri, Potaro, merci, merci à tous pour ce que vous faites pour Gaming Live. Merci. Bon, on va rester dans ces trous, hein. Allez bien. Level est pas mal. Exprimer tout mon potentiel. Ah, qu'est-ce que c'est que ce jeu dégueulasse! Oh là, c'est moche. Ah, c'est moche. On dirait une fille bourrée en soirée. Oh là, oh là, oh là. Ah, c'est une catastrophe là. Ah, c'est dégueulasse quoi. Attends. Attends, je vais faire parler mon jeu. Ça a tellement les impressionnés qu'ils vont se barrer. Pour Gaming Live, je me mets volontairement des handicaps. J'espère que vous appréciez le combat de cet homme sous vos yeux, qui essaye de tout donner pour vous, pour toi public. Ah, ah, ah! J'ai trop donné. Bien avant d'avoir envie, Johnny Hallyday. Comment ça, la fistinière était trop violente pour lui? Il n'y avait aucun niveau dans la fistinière. C'est pas possible, Skull. C'est toi qui host. On sait que tu cheats. Le jeu est chez toi. Tu nous pourris la connexion. C'est pour ça que tu gagnes. C'est quand même étrange que tu gagnes, qu'il n'y ait que toi qui gagne, alors qu'il y a Akai dans la salle. Akai qui est bien meilleur que toi. Moi, je dis, il y a cheat. Alors, vous pouvez bien sûr donner vos réactions au hashtag GLR. Je pense que Skull triche. C'est tout. Ça se voit. Ça se voit trop, quoi. Et moi, je fais tout pour le beau jeu. Je suis là, j'exprime. Vous voyez, dans mon jeu, on voit une France forte, une France solide, une France qui grimpe. Avec des trous, bien sûr, avec des accidents. Merde, j'ai pas le jeu en premier plan, putain, ta gueule. Mais une France qui est là. Mes chers compatriotes, je vous ai compris. Ah non, c'est pas le même. Regarde cette France vigoureuse qui attaque. Ah, les mecs, ils viennent pas là dans cette room. Hein. Oh, la foutre. Restez dans votre fistinière. Entre copains, vous élargir le pourtour. Je sais pas comment. Ta gueule, il y a trop de rotation dans le jeu. Enlevez-moi les touches. D'ailleurs, ça va pas du tout là. J'ai gagné combien de matchs là? J'ai trop gagné de matchs. Je vais faire monter mon niveau. Ça va pas ça. Je dois avoir un niveau de merde. Je représente jeuxvideo.com ou pas? Tu t'entends? C'est ah, c'est pas mal comme ça. Ah, c'est beau. I love this game. This franchise is so incredible. What if all? My name is Ross. C'est Firos. Ah, attends. Vous avez tous dû me voir dans ce magnifique film Permis de Juter.
Alors attends. Là, je suis en train de préparer un tel game, les mecs ils comprennent rien, tu sais. C'est comme quand Kumachan construit un Puyo Puyo, les mecs ils comprennent rien. Il se dit là le mec il va mourir et je meurs. Et du coup ils sont surpris. Ils s'attendaient pas à une telle stratégie. Mais j'en ai rien à foutre de ton attaque. Elle est minable. Elle a bonne mine. Putain, je construis dans un mousseur de poche, hein. Pour Gaming Live. Ah, c'est solution. Je ne meurs pas. Oh là là, cette note de musique incroyable. Vous pouvez la trouver bien sûr sur YouTube. Mes meilleurs morceaux de piano. Entièrement bruité à l'anus pour des raisons budgétaires. Je n'ai pas de piano. Quand je pense que les gens ne pensent pas à cet instrument de musique formidable. Quel est leur anus? Merde, le misdrop. Putain, attends, comment je... Ta gueule, c'est pas le moment de me faire une attaque. Mais ça va. Ah, voilà, je suis en train d'enregistrer un tube. Le tube de l'été. Et le mec, il me bourre. Saleté, va. Saleté. Ah putain, puis il n'y a pas le temps de partir pisser. Attends, merde, c'est quoi les touches de jeu? Ah putain, voilà, bon attendez, je suis parti avec une magnifique construction. On dirait le renflouement du Concordia. Ah, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, c'est aussi dégueulasse. Ça va. Laisse-moi jouer. Oui, on sait. Ah, cette musique, bon tant pis. C'est quoi cette attaque? Il va falloir trouver mieux, hein. Ah! Là-bas! Plus rien faire. Dommage. Ça va, je t'attends, t'en fais pas. Tu ne me fais pas peur. Je me concentre. Ah, je me concentre trop. Ouais, j'ai trop de barres là. Ça, c'est un problème, ça. Quand on a trop la barre. Putain, ça va pleuvoir. Ah, dommage qu'il manquait une petite barre. Ah! Ah, pas ce moment! Ah! Pas de mise drop! Non! Ah! Je ne veux pas. Ah! Ah! C'est le moment! Ah ben non, c'est pas le moment, mais bon, ça ne va pas, attendez. Je me casse vite de la room. Ah. C'est le moment
pour le sponsor. Mon sponsor. Anusol. Et mon anus s'envole. Mon partenaire, Tetris, tournée des bars. Disponible pour pas très cher, hein, dans les bonnes boucheries. Ouais, c'est ça. Et ça devrait le faire. Ça devrait complètement le faire. Je rappelle aussi... Alors, attendez, je ne sais plus où c'est. Où c'est... Je rappelle aussi, bien sûr, que j'ai spécialement, hein, pour ces streams, acquis cette pièce de collection. Magnifique objet. Monsieur Bédard, si vous pouvez nous présenter cet objet. Bonjour, les téléacheteurs. Et bonjour, les internautes. Ce magnifique objet qui est incroyable, finition et 4 pieds ergonomiques, avec en bois caoutchouc, pour parfaitement le disposer au sol, aucun problème. 2 poignées complètement ergonomiques, pour une tenue en cas de diarrhée explosive parfaite. Mais ce n'est pas tout. Une finition en cuir, pour bien sûr évacuer tout le stress, mais aussi accueillir votre divin popotin dans les meilleures circonstances. Et maintenant, il ne reste plus qu'une chose à donner. Le prix, bordel, 595 euros payés avec l'argent de Deming Live. Superbe objet. Merci Pierre. Merci Pierre pour cette... voilà, donc, ça... Bon, à la limite, je vais le mettre là. Je vais avoir, c'est à peu près ça. Alors... nous en sommes où? Donc là, ça y est, j'ai fait le placement produit. Je vais maintenant pouvoir m'atteler à vous produire du game. Bon, là, c'était un petit peu trop simple, j'avoue. Alors, attendez, ça ne va pas. Parce que vous voyez, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors là, le speed 30, l'attaque 18, le score. Ah, c'est affreux! C'est affreux! Le nombre de victoires est en train d'augmenter! Je suis passé à 19! Ça ne va pas! Ça ne va pas. Alors, vous aussi, téléchargez, je vous en prie. Je vous en prie, faites un effort. S'il vous plaît, mon enfant, il est malade. Téléchargez Tetris Online, ça ne va pas. 19 victoires, ça ne va plus. Ça ne va plus, ça n'a plus de sens. Vous voyez, ça n'a plus de sens. 7% de victoires, c'est trop. C'est beaucoup trop. Alors, pour remédier à ce problème, tout de suite, j'ai envoyé, bien sûr, mes meilleurs agents qui me dégotent, hein, les rooms de qualité. Pour essayer... Alors, il y a quoi, là? Ah, mais ils sont tous là, maintenant. Ah, merde, ils avaient rejoint la partie. Mais ouais, mais là, il n'y a pas de niveau. J'en sors, ça ne va pas. C'est... On n'arrive pas. On... Ah, attendez. Oh, ouais, 34, là. Oh, là, là. Il y a Katono machin. Alors, attention. Oh, putain, merde, j'ai même pas le temps. Oh, putain, j'ai même pas le temps de regarder la ronde. Ah, ce jeu. Ce jeu. Ce sacrifice. Cette dévotion. Tout ça. Pour un seul site. Pour une seule web TV en France. Racheté avec l'argent de la pub. WebMedia, allez voir cette magnifique interview du cofondateur de WebMedia, hein, qui dit qu'est-ce que c'est WebMedia. C'est accepter d'avoir un président qui s'appelle Google. C'est quand même incroyable, hein, ça ne s'invente pas, ça. Ça ne s'invente pas. On est tous foutus. L'argent de la pub. Alors d'ailleurs, je n'en peux plus, hein, si vous saviez, là, avec la campagne de pub Axe, comme je le disais tout à l'heure, mais on pue du cul, quoi, c'est pas possible. Hein. Même les chiens changent de trottoir, mais non, c'est une infection. Hein. Vous êtes au supermarché, vous faites vos courses, les gens vous disent « Ah, tu es chez Gaming Live !» C'est pas une vie, hein, c'est vraiment pas une vie, je vous en prie, ne... Ah, merde, c'est quoi ça? Bon, j'ai pas eu le temps, c'est le tour de chauffe. Bon, on va faire balle neuve. On va faire balle neuve, on n'a rien vu. On n'a rien vu, c'est... Je veux dire, bon, j'ai fait une chute au kilomètre 42. Des connards faisaient des selfies sur le bord de la route. Bon, moi, je pédalais, vous voyez. Je venais d'avoir mes piqûres, comme tous les jours. Pleine de vitamine D. Et... Mon équipe me disait, le chrono est bon. Lâche pas la pédale, lâche pas la pédale, je ne dirai pas la suite, sinon je vais être directement censuré. Je n'ai pas le droit de révéler de telles choses sur Gaming Live, surtout un mercredi après-midi. Ce cas, oui, tu sais ce qu'il te dit, mon anus. Ah,
Alors attends, je suis en train de placer un jeu aux petits oignons. Oh là là. Oh là là, je suis en train de placer de la merde, ouais. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ah, ta gueule! Bon. Voilà. C'est ça, la tournée des bars. Des élongations, du couloir ralenti, comme vous en avez certainement jamais vu. Le tunnel, bien sûr. Le tunnel sous la Manche. Ce n'est rien à comparer de ça. Sentez la profondeur, le désarroi, l'intolérance, quelque part, du niveau français. Vous voyez? Alors, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de voir, là. Il y a Cotentige. Non, Cotonneau... Enfin, on s'en fout. Cotentige. Cotentige. Ah! Voilà! Cotentige. Ça, c'est un joueur. Il y a du back-to-back. Il y a de la... Merde! Putain, il y a même... Ah, je vous assure, hein, ces conditions de travail, on se croirait chez Foxconn. Mais oui, viens chez Gaming Live, c'est bien! Il faut fournir des programmes! C'est une web-télé super! Il y a des gens magnifiques! Magnifique, ouais. Magnifique ta mère, ouais! Putain. Ah, ça va! Laisse-moi le temps de placer trois pièces, s'il te plaît! Pour Gaming Live, je peux le faire. Les Français vont mal. Ils vont pas bien. Ils se sont pas rassurés. Je l'entends. Je le vois tous les jours. Le désarroi. Je veux une France forte. On le rassemble. Avec ma monture de lunettes, qui n'est pas française. Mais je veux promouvoir le travail français en France. Pour que les Chinois ne soient pas au chômage. Pour que le MEDEF règne en toute puissance. Je vais le faire. Non, ça se... Alors oui, ça peut se jouer à la manette, mais je vous conseille un petit Joy-Tukiki. Joy-Tukiki, programme complètement garanti, qui remplace, en fait, où tu peux adresser à ta manette des touches de clavier. Donc tu cherches Joy-Tukiki. Tu viens de ma part, hein. Ça sera tellement moins cher. Ah, bon, alors donc, allons voir quand même les autres opposants. Voilà, ça c'est des graphes. Ça c'est du niveau. Ça c'est la tournée des barres. Ça me fait plaisir. Hein. Là actuellement, vous ne me voyez pas, mais je suis en train de faire l'hélicobite. Ça me fait plaisir. Ça c'est des statistiques. Vous voyez. Là, je dis oui, quand il faut remplacer Mister EV parce qu'il est en vacances, la bite levée, la main à main levée, je le fais. Je veux dire, là, c'est un plaisir. Là, je retrouve complètement l'origine de cette volonté de souffrir pour vous, devant les écrans français, sur les ordinateurs, sur votre mobile, sur votre tablette, sur toutes les consoles, sur toutes les plateformes. J'accepte ça, parce que c'est pour la France. Et ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Ouais, des graphiques comme ça, j'en ai tellement rêvé quand j'étais à l'école. Quand j'étais près du radiateur, vous savez, et que j'écrivais avec du caca parce que j'avais pas de l'argent. J'avais pas d'argent pour acheter des stylos. Et j'utilisais des feuilles que je trouvais au sol. Et je notais difficilement mes cours. J'ai quand même eu mon bac, grâce à un chèque de 500 €. Je veux dire, c'était pas évident, bien sûr. L'éducation a beaucoup changé. Mais je crois au tout numérique. Je sais que les Français peuvent le faire. Ah merde. Ah putain, j'ai fini. Il y a feignasse dans la... C'est quoi ce pseudo dégueulasse que je viens de voir passer? Alors, donc, je vais essayer de produire du game. Ah regardez, ce jeu magnifique. Alors, une stratégie, hein, bien sûr, que vous pouvez employer, qui marche plutôt pas mal hein, dans Tetris Online, c'est de bourrer les fions. Bourrer les fions, c'est garanti. Ça permet de s'alléger soi-même, d'être plus joyeux, d'être plus jovial avec les gens qui vous entourent. Parce que d'un seul coup, c'est comme si vous vous mettiez à emmerder la terre entière. Putain! Je le sens, mon gros back-to-back? Ah!
ça y est, encore cette mise drop. Ah, cette saleté, hein. Au lieu de participer au foire à la saucisse, là, elle vient m'emmerder, cette mise drop. Remettez Geneviève. Ah, ah. Ah, ce game. Fait rêver les Japonais, hein. Ah. Bon. Troisième, c'est mieux. Ah oui, ah non, c'est Kenagaz. Bon, troisième. Là, j'ai quand même un petit peu sauvé les meubles. Ah, il y a Kotorek qui est parti. Kotonzige qui est parti. C'est une chance pour moi. C'est si je retrouve, bien sûr, les touches pour jouer à ce jeu de merde. Allez. Je construis. Je pose des pièces. Je vais être GM. Ah, attends. Merde. Attends. Ah, non, ça passe pas. Attends, est-ce que c'est comme ça passe? Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Je ne connais aucun Wellkicks dans ce jeu. Je ne sais pas comment il fonctionne. Je les découvre sous vos yeux. Écarquillé, je le sais. Rempli de joie devant ce spectacle. Et de graisse. Et d'allégresse. Voilà. Ah, le petit point final. C'est celui qui fait mal. C'est le petit point. Ah, ce jeu. Ah, cette merde. Ah. Putain de merde de jeu à la gland. Ah, j'ai où survivre. Je vais survivre. Je vais survivre. Ne vous en faites pas. Ah, c'est chaud. Ça a l'air d'être chaud. Ah, c'est chaud. Ah. Oh. Mais oui, je suis en forme. Je suis en forme. J'ai pas dormi l'année dernière. Je stream pour Beyond Gaming. Je finis à plus de minuit. Midi, il faut être là. J'ai pas le temps de dormir. Levé à 6h30. La France du matin. La France qui se lève tôt. L'érection matinale. J'ai plus le temps. Je n'ai plus le temps de rien. Plus le temps. Heureusement, bientôt les vacances. Heureusement, parce que je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Mon chef qui est Mister MV n'est jamais là. Je le vis bien. On est obligé hein, de le remplacer. Ah, c'est dur. Oh, je me suis fait battre par Feignasse en plus. Là, je vous avoue que intérieurement, je le vis très mal. Je suis à deux doigts d'une dépression comme quand on est en avion. Ah merde, j'ai rien. Ah! Ça serait bien de mettre une pièce dans le réservoir, connard. Merci. Tu vas te faire bourrer, sinon. Comme le bélier. En plus, nous sommes en période, là, vous avez vu, de mini canicule, hein, et comme tout le monde le sait, partant de canicule, oh... Ouais. Non, mais c'est inadmissible. C'est inadmettable. C'est introduisible. Je bois un coup d'eau, tiens. Bon, allez. Je vais rien énerver. Ah, Skullbot est dans la partie. Voilà, Skull a rejoint les vrais. Alors là, on est à Shashigo. Alors, je n'ai même plus d'écran. Regardez, il emploie tellement de cheats, on peut même pas voir ce qu'il fait. Il a fermé la fenêtre. C'est la ceinture de chasteté de Tetris Online. Vous voyez, c'est les écoutes de buisson. Ah merde, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Bon alors. Voilà. Allez, les gens commencent à venir. Ils commencent à comprendre que c'est ce qu'on cherche. C'est se faire remplir. Ah, attends. Ça ici, 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 ça ici. Attends. Hop, hop, hop. Ah, ce jeu. Ah, c'est beau.
Mais je t'attendais! Respecte ce jeu de qualité. Allez, je tiens le bambou, je tiens le bambou. Lâche pas le frein, je sens que ça vient. Là, je suis en embuscade. Dédé, tu me vois, je suis dans les forêts juste en face. Lâche les galinettes. Je suis là. Je suis là. Lâche les galinettes. Ah, voilà. Encore. Ah, ça pète. Ça pète tellement. Prends mon gros renne. Je vais vous faire boiter, moi. Ah, cette musique. Et voilà. Voilà, le respect, c'est ça aussi. Ah non, mais quand on permet à mon jeu de s'exprimer, quand nous sommes sur Gaming Live, je peux le faire. Voilà. Mais oui, alors le mec il va sur des rooms, il est pas capable de gagner les vrais. Mais je vous emmerde. Voyez mon jeu. Oh, c'est quoi ça? Représailles. Ah, les mecs, ils se liguent après. Vous voyez cette rancune, là? Ça, c'est du mauvais esprit. Je n'accepte pas ça. Moi, je gagne dans la propreté, avec les fesses propres. Vous savez, comme avec les lèvres de bébé. Magnifique. Le cul tout doux. Et alors, le cul tout doux, les mecs, ils me bourrent. Ah, c'est cette génération décadente. Voyez un petit peu ce qu'est devenue la France. C'est ça, aujourd'hui. Voilà. Une victoire. Alors, par cas des sous, alors lui, il a carrément un truc stylé derrière. Hein. Il a des dessins. Putain, si je pouvais carrément mettre un zizi, moi, je suis sûr que ça passerait tellement bien. Putain, la tournée des barres et ton écran, c'est un zizi derrière. Oh, les mecs, ils sont obligés de te respecter, quoi. Non, mais voilà. Vous voyez, j'ose gagner. Les mecs, ils activent les cheats. Est-ce que vous trouvez ça respectueux? Est-ce que vous trouvez ça propre? Non, c'est sale. C'est moche. Deux, nul, sale. De la scène. Voilà, on nous dit c'est les batailles de l'UMP, c'est tout à fait ça. Hein? C'est Juppé qui chie à la gueule de Copé. C'est François Fillon qui chie aussi sur Copé. Bon, faut toujours chier sur Copé, c'est bien vu à l'UMP, hein, c'est bien vu. Ah, mais c'est tellement garanti le fond d'écran de Parka en dessous, là. Je vais aller voir ses stats, d'ailleurs. Tiens, il est tellement beau. Ah, par contre, tes stats, c'est de la merde. Hein, je te le dis honnêtement. Si tu comprends le français... it's a cheat, man. Si tu comprends le français. Moi aussi, hein, je peux parler japonais. Shit. Oh. Allez, maniez-vous, voilà, ça n'en finit plus, là, regardez ça. On est dans l'automasturbation à la française. Ah merde, c'est le moment de diffuser une pub. Ah, attendez, je n'avais pas vu. On me dit en régie que c'est le moment de diffuser une pub. En même temps, on s'en foutait, c'était Skull qui jouait, on n'a absolument rien à foutre. Après une humiliation pareille, ça mérite une pub. C'est tout ce que ça mérite. Attendez, il faut par contre que je vire ça, parce que sinon... Voilà, une pub, c'est tout.
cette musique. Abandonné de tous, dans la solitude la plus totale, je me confie à vous. Streamer, ces temps perdus, youtubeur depuis 2011, je m'évertue à prôner le gameplay, le beau jeu, le super play. Et puis, tout se passait bien. Je parlais de titres comme des shoot'em up, de speedrunning aussi, un petit peu. Mais pas trop. J'aimais aussi la nature. Je proposais des jeux doux, veloutés, soutenus parfois, mais toujours dans une quiétude profonde. Et puis, les Stonefest passant, je remplissais la chaîne SME avec des invités japonais qui me respectaient, qui admiraient mon travail secrètement, qui m'envoyaient des photos. Puis un jour, tout a changé. J'ai été contacté, toujours à un Stonefest, par un certain Ken Bogard, un homme aux cheveux sales, qui est caché par un béret tout aussi dégueulasse. Il s'est présenté à moi en me soudoyant à Puyo Puyo Tetris en me disant « Écoute, une web TV va se monter. Toi aussi, tu as l'âme d'un étalon. Je pense que tu peux en faire partie. » J'ai accepté et ce fut le drame. Aujourd'hui, je travaille pour Gaming Live et j'ai mal au cul. Bien, allez, on continue avec cette tournée des bars. Donc, je le vis mal. Skull a gagné. On en a absolument rien à foutre, Skull. Je te le dis, je te chie dans la gueule. Je te le redis, je m'en fous.
Je m'en fous, je m'en fous, c'est tout. Alors, on me dit qu'il y a un mec qui s'appelle Inceste sur Tetris Online. Qu'est-ce que je m'en fous d'Inceste ? J'ai rien à foutre. Alors, où c'est ? Donnez-moi de la room. Alors là, il y a qui ? Il y a quoi ? Il y a RPS ? Il y a SDF ? Non, on s'en fout, il y a S'il vous plaît, quand même, un peu de respect pour les pseudos. Arrêtez de prendre des pseudos dégueulasses. Alors là, il y a... Ah bah c'était là où on était. Ah, il y a des sushis. Il y a des sushis et Curly. Ah, Curly, on l'avait déjà affronté. Tiens, on va retourner. Curly, il bourrait bien. Non, j'ai cru que j'avais de la musique qui était repartie. Non, c'est bon. Parce que... J'ai, bien sûr, pour tout ce qui est mixage sonore, j'ai DJ MST qui est à côté de moi. C'est un DJ de renom qui ose aller au fond des choses et qui n'a pas peur de mettre les mains dans le cambouis, quitte à revenir avec des choses sales. Mais bon, DJ MST est un ami d'enfance et je ne peux rien lui refuser, que voulez-vous ? Que voulez-vous ? Alors, oh, putain, des sushis, il a pris cher. Hein. Il s'est fait cantonner le fion. Allez, c'est parti. Avec la pause, je dois être très en forme. Ça ne va pas faire un pli. Que je vais tous les retourner. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Putain, j'ai que des barres en plus. Ah, attendez, j'attends. Hashtag j'ai que des barres. Voilà, tout se passe bien. Ah non, tout se passe pas bien. Ah, putain, ça bourre. Hein. Ah, je peux le faire, je peux le faire. Moi aussi, j'ai les yeux bridés. Oh, on fait pas. Je me fous un sushi dans le cul, je me fais faire une opération, on dirait un japonais. Je l'ai déjà dit, je suis prêt à tous les sacrifices pour Gaming Live. Ah, sacrifice. Ah, j'ai la pièce. Moi je la mets celle-là. Ah, that game. Je maîtrise le game. Ne vous en faites pas. Ah, je sais pas la foutre. C'est pas grave, toujours une solution. J'ai plus de pièces. Ah, ça va être chou, j'ai plus de pièces. Ah, ce vomi. Ah, ça va, je sais que je suis. Il faut que je me hurry up. J'ai l'air marqué, connasse. Ah, je joue dans mon vomi. Ah. Je te survivrai. Ah, bah non. Dommage. Oh putain! Oh non! On est tous morts dans un Kleenex, quoi! Oh, on se croirait à la fin d'un bon dorsel! Putain! Franchement, les mecs! Bon, allez, je peux les bourrer, déjà! Allez. C'est
c'est pas difficile de danser Tetris Online. Et un petit coup par-ci, un petit coup par-là. C'est pas difficile. Ah! Chut! Laissez-moi construire du beau jeu. Ah, vas-y, ouvre le pied Tetris que je te bourre. Je sais que j'ai pas de pièce. Ah! Mise en off! Allons, pas là! Ah, je peux plus utiliser! Ah, si, ça passe! Non, ça passe pas! Oh. Ah! Ah! Ah, cette mort! Ah, j'étais presque! Ah, j'étais. Ah merde, putain, mais. Ah, c'est ça aussi d'être trop fort, tu joues tout le temps! C'est quoi ce jeu? Ah, faut pas que je rate l'heure! Il est quoi, 15h20? Ah non, c'est bon, ça va, 15h20. On a le temps. De toute façon, hein, Atonium va arriver. Deli va encore ne plus marcher. On a rien à foutre. Construction. On sent dans ce jeu une telle maîtrise. Voilà, c'est quoi cette merde? Dans un micro-pénis. Ici Nicolas Culot. Je suis actuellement dans le profondeur. Je le vis bien. Je viens actuellement de me faire visiter le Miss par une mironne. Et je n'ai plus de océan nature. Je vais continuer à jouer dans les profondeurs. Je vais regarder quelque chose. Voilà, c'est difficile. C'est vraiment très compliqué. Bon, alors sixième, s'il te plaît, Ikoban, tu n'es pas obligé de rappeler les magnifiques scores dans la tournée des bars. Hein. Ne tenez surtout pas de listing de toutes les parties que je fais. Parce que si pour me dire que je suis sixième, je le sais, je le vois. Ah. Mais c'est parce que, encore une fois, j'attendris l'adversaire. Je le travaille dans la surprise. Je commence de manière tout à fait anodine. Je fais des miss drops volontaires. Je titille sa curiosité devant un jeu aussi merdique. Et au dernier moment, je le retourne. Bon, là, il s'est avéré que ça s'est mal passé. Il y a eu un malentendu. Et bon, voilà, ça arrive tous. Hein. On connaît ça. Une petite faiblesse. Ah oui, je merde grave. Je merde grave. Je suis fatigué. C'est tout. Je donne tout mon corps pour Gaming Live et je n'ai plus une goutte de foutre, plus une goutte de sueur dans ce corps d'athlète qui est le mien. Sponsorisé par Anusol. Et croyez-moi, quand vous utilisez Anusol, vous avez un corps d'athlète. Hein. Avec Anusol, vos kilos s'envolent. Oh putain, arrête-moi ce tableau, je devais faire un screenshot. Putain. Bon allez, je vais m'occuper de Curly là. Rien à foutre. Allez, envoyez-moi Curly, vous allez voir ce que c'est quand je suis énervé. Alors, où sont les touches? Le problème c'est que. Putain merde, j'ai fait une. C'était quoi ça? Allez! Oh, c'est une catastrophe! Hein.
Putain, je pose tout à côté. Et le jeu qui se fout de ma gueule, hein. Parce que je fais des mini-T-spin. Nous, les mini-T-spin. On vous tripote la pine. Ah, pardon, c'est pas ça. Allez, je m'applique, là, je m'applique, je vais faire un jeu. Putain, merde, j'ai plus de pièces. Ouais, je vais faire du jeu magnifique quand même. C'est pas grave. Même 100 pièces. 100 pièces, ça fait beaucoup quand même. Ah, ce magnifique jeu. Voilà, là je fais toute la construction. Tout va être maîtrisé. La triple est partie. Maintenant je vais envoyer la double anale. Ouais, bien. Ne nous quittez pas tout de suite. Ah, ça va, ça va, ça va. Je t'attendais. Ah, c'est ça aussi, les mecs ils voient pas, mais je les attends quoi. Dire, ils construisent du beau jeu, et moi j'attends. C'est ça ma force aussi. J'ai le temps de répondre au chat, de jouer, d'envoyer des SMS. Voilà! Voilà! Là je veux dire, vous avez senti ma puissance. Hein? Vous avez senti? Tiens, je vais vous faire un signe histoire de faire hello. Tiens, voilà. Histoire de bien énerver tout le monde, vous allez voir ce que je vais prendre. Alors là, croyez-moi que mon sponsor se frotte déjà les testicules, parce qu'il sait que ça va rapporter. Là, ça va être le plan Anusol. Est-ce que la chaise percée va tenir? Je ne sais pas, je me le demande. Parce que normalement, je vais me faire remplir en 2 frames. J'essaye d'évacuer tout ce que je peux. Je... Oh là là! Allez, est-ce que je l'ai dit? Ah, that non game! Oh là, j'ai plus de jeu! Ah putain, je me fais couvrir l'anus! Ah! Qu'est-ce que tu. Attends! Ah! Essaye de trouver des solutions, y'en a pas! C'est dur! Ah, il faudrait que je réussisse à récupérer un jeu, mais c'est pas gagné, y'a pas de jeu, y'a plus de jus! Y'a plus rien, y'a plus de stream. Ouais, c'est Archimède. J'ai coulé Archimède. Ah, j'ai pas de barre. J'ai pas de barre. Ah, la barre. Ah. Ah bah oui, mais j'ai pas de barre aussi, putain. J'ai la con. C'est le moment d'aller sur Twitter, parce qu'on s'en fout. Qu'est-ce qu'il y a là? Voilà. Limite, hein, ouais, la partie nous intéresse tellement qu'il n'y a aucune censure durant la fin de cette game. Donc je vais aller voir un petit peu ce qui se passe sur Twitter. Hein. Aller lire les news affligeantes. Voilà, 20 minutes. 20 minutes, c'est très bien. 20 minutes. 20 minutes, c'est vraiment de la merde. Si vous voulez, 20 minutes est à l'information, ce qui est Gameblog aux jeux vidéo. C'est dire la qualité. Ah, merde. Pas le temps. C'est où? Non, c'est pas ça. C'est ça. Attendez, j'enlève ma chaise percée. Ah, quatrième, hein. C'est pas si mal. Game.
ça attaque. Ah! C'est beau celui-là. Un petit renne, comme je les aime. Tiens, dans une casserole. Ah non. Ah, y a pas de bonus de village, parce que je peux oublier le jeu, là. Ça sert strictement à rien. Hein. Quel glandu. Allez, je suis en train de faire du game. On est tous en train de faire du game, apparemment. Ah, ça KO, ça KO. Il y a des gens qui meurent, ce système. Oh, la mise drop. Allez, une mise drop stratégique. Pour tromper l'adversaire. Ça, ça c'est la force. Putain merde, 2 victoires. Ah, voilà. Là la puissance est en train de parler. Voyez, la tournée des barres c'est aussi ça. Des mecs qui jouent bien. Ah, cette concentration. Ah. Voilà, voilà. Ah, cette petite spin qui sert à rien. Ah, ça tombe pas comme ça. Putain, mon cul. Jeu de merde. Ce vieux mise drop. Ah! Ah, c'est la mort. Ah, j'ai fait de la merde. Ah, dommage. Oh là, j'ai bien tenu là.
Je commence à leur montrer qui c'est le patron, hein, vous avez vu un petit peu ça. C'est vrai que j'arrive à réussir à faire quelque chose, mais là, c'était à la fin difficile. Je n'ai pas réussi à m'en sortir, j'ai fait un petit T-spin qui ne sert absolument à rien. T-spin du pauvre. Et du coup, ah, il est 35, on me dit que... là, en plus, Skull va pas tarder à gagner, on me dit que c'est le moment d'envoyer une pub. C'est parti, donc, petite pub. A tout de suite dans 3 minutes pour la suite de la tournée des bars. Alors qu'on me demande le nom de cette musique sur le chat, alors il s'agit de Maya Sakamoto qui chante, qui est une chanteuse assez connue quand même, Sakamoto, dans, notamment dans l'univers des animés, parce que souvent ses titres sont pris pour faire des openings ou des endings, et la chanson s'appelle Hayoi Hitomi. Voilà. Pour la petite information, bien, dernière partie de cette tournée des bars, on espère qu'on va être en forme, qu'on va être vigoureux, hein. Je vous avoue, je suis quand même face à un dilemme, c'est-à-dire que je gagne beaucoup trop. Je gagne beaucoup trop, donc il faut trouver une room, s'il vous plaît, mobilisez-vous. Une room avec 31, je plonge dessus, d'ailleurs je suis en train de l'avoir. Oh putain, celle-là je saute dessus. Il y a saucisse dedans, oh, il y a saucisse. Il y a saucisse, il y a Sasureba, il y a Sugfan, il y a Alakune. Là, je sens, il y a TJW, alors là, je pense que je vais complètement me faire... Oh, regardez-moi ce graphique, là. Oh putain, je viens de me foutre du foutre plein la gueule. C'est tellement beau, regardez ça. Oh là là, ce que je vais
tellement avoir mal, alors je peux déjà préparer, bon, je vais quand même enlever mon placement produit, parce que là, ça ne veut plus rien dire, il y est tout le temps. Je vais imposer ma stratégie, je vous rappelle une stratégie qui est très compliquée, puisqu'il s'agit de bourrer les rênes. Bourrer les rênes, en fait, c'est un petit peu l'équivalent de tirer les rois. C'est à l'épiphanie, on tire les rois, on a un petit peu mal au bout, des fois on se casse les dents parce qu'on a récupéré la fève. Bon bah là, moi c'est bourrer les rênes. Hein. Alors c'est à n'importe quelle période de l'année par contre, hein, c'est pas début janvier, on s'en fout. Voyez. Mais c'est une technique qui a fait ses preuves, hein, qui a fait ses preuves. Alors donc si vous voyez dans la neige des fois des traces de sang, hein, eh bien c'est un animal, bien sûr, qui m'a rencontré alors que j'étais en train de jouer à Tetris Online. Et ce dernier souvent se remarque parce qu'il boite. Ouais bon, c'est un mâle. Alors... Enfin, deux fois c'est les femelles aussi. Alors, ça y est, c'est parti. Alors, direct là-bas. Putain, vous avez vu ça là ? Ouais, mise en direct aussi. Ce bon début de game, je démarre avec une grosse barre. C'est-à-dire que je vais me faire complètement remplir parce que vous allez voir que ça va, à mon avis, pleuvoir au niveau des attaques. Je suis en train de me faire arroser. Je ne suis pas une dinde. S'il vous plaît, laissez-moi. Tiens, je t'envoie un back-to-back Tetris qui va te faire rien du tout parce que t'en as rien à foutre de mes attaques tellement elles sont. Je ne sais pas. C'est comme de faire une bifle avec un micro-pénis, ça ne sert à rien, mais j'essaye quand même. J'essaye d'introduire ces japonais du mieux que je peux. J'essaie de me présenter, j'essaie de représenter la France devant vous, sous vos yeux, dans Tetris Online Polochon. Tetris Online Polochon, le jeu qui va vous modifier le fion. Alors attends, hop, ce bourrage, le mise drop, il va faire bon une mise drop, ça je sais pas, ça je m'en fous, ça j'en veux pas, ça je récupère, tac, ça me permet de faire que de la merde, ça, ouais, ok, comme ça, tac, regarde, bim, je récupère mon magnifique gouffre à Tetris, regardez cette bouche à pipe que j'ai pour faire à Tetris, là, ça n'a pas suffi, c'était une mini bouche à pipe, elle était pas, c'était pas gorge profonde, c'est pas l'indicateur d'X-Files, j'essaie de tourner les pièces dans tous les sens, ça ne marche pas, quatrième. J'étais bien parti, alors que pendant ce temps, on est en train de voir un match au sommet entre Sox Fan et TJW. TJW qui est en train de se faire remplir la planète. Il a plein d'étoiles, hein, c'est un petit peu le Brésil, on se dit qu'il est le favori, mais en face, c'est l'Allemagne. C'est Sox Fan qui lui en envoie plein la gueule, il est en train de se battre. Ouais, ça s'envoie le coup de double Tetris, ça se retourne, on sait pas, il y a des doubles, il y a des reines, il y a plein d'animaux, il y a le T-Spin double qui vient de partir, qui fait mal, qui remplit Sox Fan. Sox Fan vient d'emprunter l'attaque alors qu'il était en bas de son écran, c'est monté d'un seul coup, mais c'est aussi le cas, il passe bien, il passe bien Sox Fan. Ça ferait monter dangereusement du côté de TJW qui a monté. T-Spin, T-Spin qui est parti, il y a eu du double, il a vidé son écran, ce fait c'est bien remonté, il est toujours au tiers supérieur d'écran pour TJ, TJ, ça se bat mal, je tousse, j'ai le clou, je suis en train de mourir, c'est pas grave, je reviens à la vie, tel le phénix, Iki, bonjour, câlin, Andromède. Et donc, Sylvain, il est en train d'essayer de faire ce qu'il peut, le level 21 contre le level 31, c'est la vie contre Goliath, il essaie de tout bourrer, il a plein de victoires, il a plus de place pour foutre les étoiles, ils les ont foutu n'importe où, le T-Spin qui vient de partir, reine double, reine 5, fois double, double reine, triple reine, oh là 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 là, c'est une pizza qu'il est en train d'envoyer à chaque fan qui n'en peut plus, TGW est toujours là, la bite au vent, le bras par la fenêtre, en train d'essayer de jouer d'une main ou avec son sexe vigoureux qu'il est en train de remuer, bien sûr, devant son stick pour essayer de complètement bourrer cette qui est en train de se faire complètement remplir. Regardez cette montée des eaux. Là, c'est une femme fontaine. Cette femme qui est en train d'exploser. La double qui est partie. Encore la double. Ah, il a un anus en fer. TJW, il s'en fout. Il a complètement monté n'importe comment. Il est en train de faire des dessins. Et TJ qui est en train de répondre à cette attaque. Merde, c'est moi de jouer. Ah putain, je suis où? Donnez-moi hashtag la barre. Bonjour, c'est Firos. Gaming Live. Je sais plus où je suis. C'est quoi le bouton? Alors, attends, c'est ça. Tac. Attends. C'est bon, ça va. Pas le temps de... Hein ? Merde. Oui, c'est bon, je sais. Je suis un dieu, moi aussi, à Tetris. Je vais pas le faire. Ah, j'ai même pas le temps à serrer ma barre ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'ai même pas pu insérer ma barre ! Putain ! C'est comme si t'étais au pute que t'avais payé, et... Merde, tu fais que discuter, je fais tout en buzz, tout. Dégage. Voilà. C'est inadmissible. Je vais écrire tout de suite à 60 millions de consommateurs. Je sais pas combien ils sont. J'en ai à la foutre parce que c'est un attentat. Je n'accepte pas ça. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est inadmissible, inintroduisible, impénétrable, infourable, le père fourra.
C'est... Non, non. Alors que Arakune essaye de survivre. Ton équipe de l'ONSW. Mais derrière, YouTube Fan se prend l'attaque. Il se prend le double anal. Arakane essaie de lutter comme il peut. Wonderful incredible. Trick. It's a beautiful game. Awesome dude. Oh, this is fucking game. Yes, yes, yes. C'est le commentaire de niveau. C'est le commentaire de niveau, c'est autre chose. Ah putain, Arakune qui vient de se faire arakouiller. Oh là, c'était violent. Il a tout pris dans la gueule. Minute. Donc, de silence pour Arakune qui n'a pas eu le temps de sortir sa serpillière à foutre. Ça a été trop vite, ça a été trop rapide. Ah là, il n'arrive pas le temps pour la minute de silence. Le match est en train de battre son plein. Tu joues le cœur, mon doigt, sirène, il envoie sirène, ça fait beaucoup quand même. Même le Père Noël n'a pas le temps, c'est le bourrage. Et c'est Luffy qui gagne les mots. Ah non, merde, c'est pas ça. Oh là là, putain, c'est dur. Hein. Allez, 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 ah, ah, ah. Chut, chut. Moi aussi j'ai du game. Ah, des attaques magnifiques, hein. Je vais te perforer le thorax, moi. Ah, ce petit renne discret, en deux temps, on a vu ce renne décalé, double décalage du renne, ça ne sert absolument à rien, c'était magnifique. Ah, le KO. Le KO. Ça va pas être moi qui l'ai KO, mais le KO quand même. Ah si, c'est peut-être moi en fait, parce que le message est apparu, mais enfin bon, ça devait pas être à cause de moi quoi. Je veux dire, le mec a dû glisser quand même. Ah, 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 ah. Ah, cette merdasse, j'ai construit plus assez vite là, voilà, je me suis endormi, je me suis... Allez, c'est le match encore. Alors, est-ce que Sukfan va encore se faire dilater la rondelle? C'est la question que tout le chat de Gaming Live se pose actuellement en direct sous vos yeux. Et on refait le match. Et est-ce qu'il va réussir à passer Sukfan? On ne sait pas. Il est quand même en position douteuse. Il est en levrette. Il est en levrette, on le voit. Il est sur le qui-vive. Il essaie de regarder. Il fait dos à l'action. Il tend le fion comme sur Xbox One. Tu tends le fion. Magnifique jeu. Bien sûr. Oh là là, ça a été encore le lavage le plus total. On ne peut pas arrêter. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Ah mais merde! Laissez-moi jouer, bordel! Putain, laissez-moi au moins poser trois pièces, quoi. C'est inadmissible. Mais ta gueule! Comment je joue, moi? Comment je fais avec les crédits? Ces mecs qui te laissent pas jouer, quoi. Putain, c'est des mecs qui prennent le chicken sense, hein. Même pas le temps de poser les pièces, quoi. Ah, Lumis drop! Ah, ta gueule! Ah, je réfléchis. Ah, c'est de la merde, ma réflexion. Ah, j'ai pas de barre, j'ai pas de barre, je vais mourir dans mon vomi. Ah, j'ai pas de barre, je construis à 2 à l'heure, putain. C'est quoi ce jeu de merde? Alors, ce fan, il s'est déjà fait remuer. Arakune, là, qui est en train de subir. C'est un séisme. C'est un séisme qui est envoyé de la part de TGW. TGW, TGW, I love you. Et il est en train de faire tout ce qu'il peut. Arakune, il essaye tant bien que mal. Pour lui, on va dire que là, ça va mal. Hein. C'est comme un lendemain quit. Un lendemain de quit. Atoul, couleur, Atoul. A changé l'assiette pour fromage. Arakune n'en peut plus, il essaye de faire ce qu'il peut, mais regardez-moi, il y a un trou au jeu TJDW, ça va être vraiment... Alors Sukfan est parti, il n'en pouvait plus, il a implosé un moment, il ne pouvait plus se déplacer, il a été obligé de s'excuser. Bien sûr, nous avons tous nos envoyés spéciaux qui sont en direct des chiottes de Sukfan pour savoir comment ça se passe. Ah, ça se passe mal apparemment, nous reprendrons eh bien tout à l'heure le duplex direct enregistré en différé et ça devrait bien se passer. Alors attends, est-ce que ça rentre? Ah, ouais, ça rentre ça. Ah, ça rentre comme papa normalement. C'était beau. Ah, je voudrais bien voir l'action au ralenti, s'il vous plaît.
Alors attends. Ah putain la vache. Qu'est-ce que tu veux que je... Ah ! Mais laissez-moi jouer ! Non mais c'est le Titanic là, c'est pas possible, là je prends l'eau dans tous les sens quoi. C'est qu'est-ce que c'est que ça quoi? Non mais c'est vraiment incroyable quoi. T'as même pas le temps d'écoper, non ça il faut pas le dire, t'as même pas le temps d'enlever l'eau, et ben je suis déjà noyé. Que voulez-vous? C'est... Enfin je sais pas là, on dirait le Alain Bernard des piscines gonflables. Putain c'est... Oh là là, cette magnifique cinquième position, putain! Oh là là! Si j'étais pas en train de streamer, tiens, je viens de coucher. Ah merde, il est déjà quasiment 50! Va falloir laisser la place au frétillant Atomium qui va vous présenter des jeux qu'il ne connaît absolument pas sur 3DS. Et il essaye de... C'est un escroc, hein, sachez-le bien. Et il essaye de nous faire croire qu'il découvre les jeux en même temps que nous. Alors, attends. Ah, j'envoie du game, là, pourtant. Attends, je me la mets où, ça? Aïe, 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 aïe. Oh là. Aïe aïe aïe, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe, je vois rien, absolument rien, j'ai de la buée sur mes lunettes, je ne sais plus quoi faire. Ah c'est violent, c'est vraiment violent, est-ce qu'elle est en train d'essayer de lutter contre un raccooné, à mon avis vu le jeu d'un raccooné, ça va être très difficile, et Shigo qui nous envoie le fail, mais c'est tout le temps le fail, toi je suis monté à 36 en LPM, qu'est-ce qui se passe là, j'ai fait un P-flamme sur le chat, c'est pas possible. Putain la vache. Skull qui essaie de résister tant bien que mal, il fait quoi? Il fait ce qu'il peut. C'est pas beaucoup, hein, c'est bon. Back to back, le jeu qui se remplit. Et en plus, quand tu vois les ouvertures de game qui a dû coller la raccoonée, ça va vraiment faire mal. Skull qui est en train de se faire remplir. Skull qui est en train de faire m'aider, qui envoie le SOS. Daniel Balavoine, tous les SOS, tous les cris vont à la mer. Il n'y arrive plus. Il ne s'en sort plus. Il en prend plein le cul. Et moi, je sue. Ça y est, c'est la fin. On essaie de nous faire croire là, qu'il va revivre, hein, mais bien sûr, le c'est préparé, le T-Spin double, bim, tiens, ça monte, et ça va finir encore à T-Spin double, bim, ça remonte, oh là 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 là, on n'en s'en sort plus, c'est difficile de résister à tout ça, c'est compliqué, c'est vrai, parce que moi qui essaye de faire tout ce qu'il peut, mais il est en train de se faire remplir, malheureusement, il n'arrive pas à résister à tout ça, c'est difficile, à Raccooné qui est en grande forme, à Raccooné qui envoie tout ce qu'il peut, à Raccooné qui est enceinte, qui, je ne sais pas, je ne sais plus, se fait engrosser comme l'autre, là, comment elle s'appelle, là, je me souviens jamais, là, celle en anglais. Là. Je me souviens pas, la famille d'Angleterre, j'en ai rien à foutre, elle est tout le temps enceinte, on sait pas ce qu'elle fout, elle est tout le temps enceinte. Bref, c'est pareil, là, c'est je ne sais pas, c'est comme dans la Bible, hein, que voulez-vous. Personne touche Marie, mais elle est enceinte, je ne comprends pas, comment c'est possible. Alors attends, voilà, bon, bah, c'était le remplissage, bon, faut que je sauve l'honneur, là, faut que je me lave l'anus, parce que ça ne va pas, c'est une honte de jouer comme ça, pour Gaming Live, merde, c'est quelle touche. Ah putain, si je me trompe de touche aussi, on va pas y arriver. Ah mais ça va quoi! Putain, les mecs ils laissent pas jouer, ils laissent pas le beau jeu se développer. Ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire quoi? Bande de petits cons! Non mais c'est pas possible. Oh mais c'est non c'est pas possible. C'est absolument pas possible. J'ai besoin de mon sponsor. Là. Oui mon sponsor. C'est tout bourré les reins, la nuit sol. J'ai besoin de tout là. C'est la chaise. Elle est où? Remettez-moi la chaise. Je sais pas. Ouais c'est ça aussi. Oh, tiens va et va. Oh là, non mais c'est n'importe quoi franchement. Qu'est-ce que c'est que ça quoi? S'il vous plaît arrêtez tout de suite. Tu piges rien du tout. C'est vraiment très triste. Oui, mais moi en plus je ne pige rien. Écoute, je suis là, j'essaye de jouer. Je n'ai absolument pas le temps de lever le petit doigt et tout ce que je vois passer, c'est game over.
C'est tout. Game over. Je m'en fous que Rhys il ait fait 8 Tetris à la suite. Je sais pas qui c'est, Ries. Je m'en fous, je regarde pas TF1. Je regarde pas cette série, c'est de la merde. Attends, voilà, ça y est, je me remets en position. Voilà, on s'en fout, il se passe rien. De toute façon, Skull va se faire remplir. 4 Tetris. Alors, notre indication, et il y a des gens qui envoient des messages hein, sur cet écran. Je me fais hacker le stream. Alors, bien sûr, du coup, je suis obligé de mettre des caches parce que sinon, on voit les zizi qui partent. On voit des dessins et c'est pas autorisé. C'est pas du tout autorisé sur Gaming Live. Bon, allez, il est 54. Je pense que vu où avant la vitesse des parties, j'ai le temps d'en faire une dernière. Ça sera la dernière. Après, il faudra laisser la place à un autre programme. Et donc, du coup, ça est difficile. Putain, je mets pas de pièces dans mon zizi là. Comment ça va être Mettre pas de pièces dans. Voilà. Je suis en train de me concentrer. J'ai pas le temps de me concentrer. Oh, il y en a un, il a pris un KO là. Bien. Tu sens mon gros triste. Tu le sens mon petit spin triple. Mon petit spin double. Ah. Il se drogue de merde. Pas le moment de me se dropper là! Pas que ça à foutre! Ah putain! Voilà! Bah écoutez, deuxième, c'est pas si mal! J'en termine là-dessus, je sens surtout, il faut que je rende l'antenne! Cognac Jet Vapeur me dit que c'est le moment, donc il faut tout rendre. Je vais donc vomir en direct pour vous, pour Gaming Live. Tout de suite, sans doute un très bon programme proposé par Atomium. J'enlève, voilà, donc c'est la fin des sponsors. Merci d'avoir suivi cette tournée des bars exceptionnelle pour remplir la grille des programmes de Gaming Life, parce que plus personne n'est là, tout le monde s'est barré. Il y a des gens qui sont partis avec de l'argent, on ne sait plus. Donc merci d'avoir suivi ce programme encore une fois. Vous pouvez me retrouver sur Twitter @sephiros avec un 0 et pas un O. Vous pouvez me retrouver sur mon blog sephiros.wordpress.com tous les jours entre midi et 14h dans Super Play Entraînement, exceptionnellement à la tournée des bars quand on peut. Et puis tous les mardis de 22h à minuit pour parler plus sérieusement de gameplay, de Super Play et de scoring. Allez, très bonne continuation. Amusez-vous bien en regardant Gaming Live. Ciao, ciao! Since the number one, because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever do. Le nouveau Axe. Upgraded.
And it's just where one pretends and wonders, counting for a perfect world to mind us. For we